C'est à Azalaï Hotel que s'est tenue le 25 mars 2023 la soirée de gala de remise de trophées des compétences féminines pour célébrer les 100 meilleures femmes de l'année en reconnaissance de leur leadership, leur action remarquable sur l'économie et la société. Nous avons décidé que chaque année, nous célébrons le top 100 des femmes de l'année. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça fait 3 ans. Donc nous sommes attelés à le faire et on le fait dans tous les domaines de la chaîne de l'économie, que ce soit la santé, la culture, la banque, les microfinances, l'intermédiation financière et tout le reste. L'entrepreneuriat, l'insertion, tout ce qui apporte un plus, qui sont des femmes et qui apportent un plus à l'économie béninoise. Par le passé, on a eu le temps de ne pas contribuer à la pleine participation de la femme à la vie économique. Et aujourd'hui, à travers nos consoeurs, nos ancêtres qui ont eu à combattre vaillamment, nous sommes arrivés à un moment où aujourd'hui, les femmes sont mises en lumière et leur pleine potentialité est révélé. C'est pour cela que je voudrais féliciter l'ensemble des femmes qui sont ici et les inviter à être des modèles pour nos jeunes sœurs qui n'ont plus d'espoir en l'avenir. Je voudrais nous inviter à contribuer, à tendre la main à quelqu'un qui est quelque part et qui a aussi besoin d'être mise en lumière, d'être révélée et de contribuer au développement de notre pays, le Bénin. Je suis passée par là aussi, il y a 2 ans, et l'année dernière aussi, j'étais parmi les 100 femmes de l'année, en 2021 et en 2022. Je voudrais tout simplement vous dire, je suis contente parce que dans la salle, j'ai une de mes consoeurs qui sera nominée tout à l'heure. Donc c'est une fierté pour toutes les femmes, mais encore une fierté pour les femmes avocates. On va commencer cette remise de distinction par vous. Et donc nous allons appeler quelques lauréats à qui vous allez remettre les tableaux de distinction. Voilà. D'accord. Allez, merci. On va appeler rapidement Célia Chami. Applaudissez, s'il vous plaît. Ça n'a pas été facile, hein. Voilà. Et c'est bien débattu. Donc, c'était la CELIA.
modèle inspirante et innovante qu'elles représentent, elles n'ont pas manqué de donner leur point de vue sur l'organisation de cette initiative. Mes impressions à chaud, c'est des impressions de gratitude envers Dieu Tout-Puissant, envers les promoteurs de ce forum qui mettent en lumière des femmes comme moi, qui n'avaient pas conscience qu'on les observait, et aussi à toute ma famille, tous ceux qui ont participé à ma carrière, beaucoup de reconnaissance et de gratitude. À chaud, c'est ce que je peux dire. Je souhaite vraiment que de plus en plus de femmes se distinguent par leur travail pour être identifiées par ce forum ou par d'autres initiatives de ce genre, parce qu'à travers cela, ça nous donne un nouveau souffle. Ça nous donne l'envie de toujours mieux faire et de vraiment servir à la communauté. Donc à toutes ces femmes, je leur dis, continuez de vous battre, continuez de bien travailler, parce que la femme doit travailler deux fois plus que l'homme pour se faire remarquer positivement. On doit beaucoup travailler et dans la qualité. Donc c'est très important. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et à ceux qui travaillent. Et ça permet aussi d'avoir une autonomisation. Et une femme autonome, c'est une nation entière. Je suis heureuse, bien entendu, parce que déjà, c'est une magnifique soirée, mais c'est surtout la qualité des femmes qui sont sur cette soirée qui, en fait, vient m'honorer moi-même en tant que lauréate. Je me sens honorée d'être à côté de femmes aussi distinguables. Voilà. Et je suis très heureuse parce que je constate que le Bénin est bien riche de femmes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Ce fut un honneur pour moi de me retrouver parmi les nominées de 2023. Et nominée choisie par Ecofemmes, le forum Ecofemmes de M. Yves Pépédé. Et je crois que cela a fait l'objet quand même d'un processus qui a permis d'identifier les différentes femmes qui sont aujourd'hui nominées. Et aujourd'hui, me retrouver parmi ces 100 femmes, je pense que c'est un honneur et un mérite qui, pour ma part, m'amène à encore redoubler d'ardeur et à, de par déjà ce que je fais, de ma position actuelle, à redoubler d'ardeur en tant que femme pour impacter d'abord mon environnement immédiat et la société. Donc, de par ces actions de développement que nous menons, je pourrais dire que aujourd'hui, je salue l'initiative parce que le mérite de la femme béninoise est reconnu. Elle est reconnue, elle est célébrée sous diverses formes. Et Ecofemmes aujourd'hui vient encore de mettre plus de lumière sur les actions de la femme béninoise. Je dis bravo parce que ils sont allés me chercher et très loin. Moi, j'avoue que je n'aime pas paraître en public. Donc, ils sont allés me chercher au fond, au fond de Cotonou, je dirais. Donc, c'est un travail de fond qui a été fait. Et toutes ces femmes qui prennent le trophée aujourd'hui sont méritantes. Donc, je suis contente et très heureuse d'être nominée aujourd'hui. Cette innovation, personnellement, accroche mon attention, vu qu'il n'y avait pas un creuset du genre pour pouvoir sortir de l'eau des femmes qui se battent en silence, des femmes qui se battent malgré tout, les charges familiales, les charges professionnelles, les charges que disent parfois les violences faites à gauche, les violences faites à droite. Et au-delà de tout ça, qui essaie d'émerger et de sortir la tête de l'eau pour contribuer à leur manière à la promotion de leur environnement immédiat et ensuite de leur pays.